Simon Deschamps, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maître de conférence à l'université Jean Jaurès de Toulouse. C'est ça. Et nous sommes ici pour parler de votre ouvrage, paru donc aux presses universitaires de Bordeaux, « Sociabilité maçonnique et pouvoir colonial dans l'Inde britannique 1730-1921 ». Alors des livres sur la franc-maçonnerie, certes, il y en a, mais ils ne sont pas d'ailleurs tous de même niveau, bien sûr, et le vôtre est particulièrement intéressant parce que c'est un ouvrage scientifique, historique, mais parfaitement abordable, très lisible. Et alors, la première question qui se pose, c'est comment fait-on pour travailler sur une association dite secrète? Comment avez-vous pu trouver vos sources? Comment parler de gens qui sont, paraît-il, si secrets? Ben, c'est une très bonne question et c'est peut-être un grand paradoxe qui convient ici d'évoquer. Et ce paradoxe, c'est que la franc-maçonnerie n'est pas aussi secrète qu'on le pense. Alors, il y a peut-être une distinction à faire entre la franc-maçonnerie anglo-saxonne et la franc-maçonnerie latine. Dans les pays latins, disons, la franc-maçonnerie a été très persécutée par l'Église catholique, et ce n'est pas du tout le cas de la franc-maçonnerie en Grande-Bretagne, qui, elle, a toujours été très proche de l'establishment, très proche, en fait, de l'élite, très proche de la religion d'État aussi, il convient de le signaler. Autre détail qui a son importance, c'est que dans les colonies, en particulier dans l'Inde coloniale, la franc-maçonnerie a une existence qui est très publique. Elle est très publique puisqu'elle organise de manière très régulière des processions, des banquets qui se font à la vue de tous. Pour donner un exemple, en 1713, lorsque le nouveau gouverneur général arrive, c'est la franc-maçonnerie et les loges maçonniques canadiennes qui organisent des festivités pour l'accueillir. Et on voit plus de 200 francs-maçons défiler dans les rues de Calcutta. Alors pour ce qui est des sources, là aussi il y a un deuxième paradoxe qu'on vient de signaler, c'est qu'elles sont très accessibles. Elles sont très accessibles pour ce qui est des sources que j'ai utilisées pour le livre. Elle se trouve pour la plupart à la bibliothèque de la Grande Loge d'Angleterre et quiconque veut les consulter le peut, il suffit pour ça qu'il ait une carte de bibliothèque, ce qui est très surprenant, mais ce qui est un fait indéniable. Voilà. Parfait. Alors, venons-en réellement au fond, parce que les valeurs de la franc-maçonnerie, ce sont, paraît-il, l'égalité, la fraternité. Alors, est-ce que tous les frères sont égaux? Et comment, en fait, comment parvient-on à concilier l'idéal d'universalisme maçonnique et le colonialisme? Le colonialisme en Inde, on pense bien sûr au système de caste. Est-ce que tous les Indiens ont été acceptés par la franc-maçonnerie? Ben, c'est là tout le problème qui est au cœur du livre. Comment est-ce qu'une association comme la franc-maçonnerie, qui revendique des valeurs très universalistes et aussi des valeurs d'égalité, peut-on imaginer qu'elle soit compatible avec une société coloniale qui repose essentiellement sur la distinction qui est faite entre le colonisateur et le colonisé? Alors c'est une question qui se pose très rapidement en Inde, puisque le premier Indien est initié en 1776. Son nom est Umdat ul Umha. Il est musulman. Il est le fils du Nawab d'Arcot, qui est un allié des Britanniques. Et en disant ça, on répond en partie à la question, puisque les premiers Indiens qui entrent en franc-maçonnerie sont pour la plupart issus de familles princières, qui sont les alliés des Britanniques. Et on voit déjà se profiler l'idée selon laquelle la franc-maçonnerie sert de canal diplomatique, en quelque sorte, entre les Britanniques et les Indiens, et permet aux Britanniques de s'assurer de leur soutien. Alors, 1776, cette première initiation reste un fait assez isolé. On verra une poignée de princes indiens initiés au tournant du siècle. Et le véritable tournant a lieu en 1743, date à laquelle se crée à Bombay la loge Rising Star Western India, qui est une loge indigène. Une loge indigène au sens où elle est créée par les Britanniques pour recevoir les Indiens. Et elle est en fait le résultat de l'ostracisme auquel ils se heurtent et du fait qu'ils sont pour la plupart exclus des loges existantes.
C'est une loge qui ne comporte pas de maçons britanniques. C'est une loge qui comporte des maçons britanniques, mais les maçons britanniques sont les officiers et ils n'ont vocation que d'assurer la transition, c'est-à-dire le départ en quelque sorte de cette loge. Puis viendront les années 1970, où un nouveau débat aura lieu sur la question de l'intégration des Indiens, et en particulier des Hindous, dont l'initiation pose problème parce qu'ils sont polythéistes, et ça c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas acceptable pour les francs-maçons britanniques, qui, je le rappelle, doivent, pour devenir francs-maçons, souscrire ou accepter l'existence du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire de naître de Dieu, concrètement. Voilà. Oui, c'est la grande différence entre la franc-maçonnerie dite latine, que nous connaissons en France ou en Belgique, qui impose la liberté de conscience, c'est ça. Et puis la franc-maçonnerie britannique, américaine, impose une croyance en un Dieu. Mais quand il y a plusieurs dieux, justement, c'est là que se pose la question. Effectivement, et c'est ce qui explique qu'on a on a initié dans un premier temps des musulmans, puis après des Parsis, beaucoup de Parsis dans la région de Bombay, et que la question des hindous, en fait, pose autant de problèmes. Ils sont aussi représentés comme très superstitieux et comme des êtres inférieurs, il faut quand même dire ce qu'il y a. Et donc, du coup, ils ne font leur entrée qu'en 1970, au terme d'un combat, qui marque l'histoire de la franc-maçonnerie indienne. Il est aussi surprenant que ça puisse paraître, là je répond à une autre partie de votre question. La question des castes ne pose que très peu de problèmes, puisque des dispositions sont mises en place au sein des loges pour faire en sorte que les hindous de castes différentes puissent se fréquenter, et notamment l'attribution de titres honorifiques aux castes les plus supérieures et dont elles peuvent se parer en fait pour pouvoir fréquenter leurs frères de caste inférieure. Ça, et puis aussi la création de cuisines aussi, des cuisines spécifiques pour les brahmanes où la cuisine est faite de manière rituelle, ce qui rend leur présence en loge compatible avec leur appartenance religieuse. Bon, et quels sont les acteurs finalement? Quels sont les acteurs de... Parce que bon, on voit des officiers, je suppose, des officiers britanniques. Alors d'une part les Britanniques, mais alors vous nous parlez un petit peu des musulmans, des hindous. Vous pouvez peut-être un petit peu détailler, vous préciser leur appartenance sociale, professionnelle, en fait, si on peut dire. Voilà. Oui, et d'autant plus que c'est une question très importante, puisque le fonctionnement de la loge est souvent le résultat des intérêts qui la dominent. Pour ce qui est des loges, dans un premier temps, elles sont constituées essentiellement d'agents de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire de soldats, souvent d'officiers, parce qu'il y a quand même là un certain élitisme dans la société britannique indienne, mais aussi d'administrateurs, mais aussi de marchands. Pour les marchands, c'est très utile puisque ça leur permet un peu d'étendre leur réseau. On y trouve les gouverneurs généraux Cornwallis, Moira, Wellesley, Napier. Pour la plupart, ils sont francs-maçons. Mais on y trouve également de plus en plus, au cours du XIXe siècle, d'Indiens. Des Indiens qui sont soit issus de familles princières, ou alors qui sont des partenaires commerciaux des Britanniques, c'est le cas des Parsis notamment, ou encore des membres du très réputé Indian Civil Service, et donc qui sont avocats, juges, etc. Et donc ces deux groupes d'individus en commun, c'est qu'ils sont pour la plupart issus des élites. Et on voit se développer des accointances entre les Britanniques et les Indiens issus de ces classes-là, du fait d'une appartenance sociale qui est partagée. Bon, mais je trouve que c'est tout à fait convaincant. Donc finalement, la franc-maçonnerie britannique, qui s'est située dans la mouvance libérale, a été une réussite. Oui. Elle a finalement, alors je ne sais pas si c'est bon gré ou mal gré, mais encouragé ce mouvement d'indépendance. Elle l'a encouragé, ça c'est certain. Après, bon gré ou mal gré, ça c'est un peu plus compliqué à déterminer, puisque
Cette franc-maçonnerie qui se fait porteuse, ou ces loges maçonniques qui se font porteuses du mouvement nationaliste indien, elles sont souvent des loges indigènes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Britanniques qui s'en mêlent et qui soutiennent d'ailleurs la cause nationaliste, mais c'est un phénomène qui, disons, évolue en parallèle d'une franc-maçonnerie peut-être beaucoup plus blanche, il faut dire ce qui est, et beaucoup plus conservatrice. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.